Madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir pour toutes les amis qui sont sur chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Et nous retournons encore avec une autre émission. Nous saluons toutes les amis qui branchent Radio A, fanatiques inconditionnels, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Dans le cadre d'opération, la police a mené en base Vite l'homme, qui est porte-parole PNH là, qui c'est Gary Desrosiers, eh bien, qui a bail plus de détails sur la police et qui fait opération dans la base gang Vite l'homme. Eh bien, d'après information porte-parole là, bail là, il a saccagé, bien saccagé, base là, d'après déclaration porte-parole PNH là, Gary Desrosiers. Bon, me faire nous entendre, côté de parler avec. Justement, pour que nous capables de faire à une responsabilité que nous gagnons dans les chaînes sécuritaires. Et j'ai encore une fois présenté de quatre que la police gagnait, et surtout opération Tornade 1, hein, et dans une zone qui vient pour tout quoi débloquer, notamment dans celle côté que gagnait un ensemble de bandits et qui ont même tout et basé là, et qui n'ont peut-être limité l'homme et au côté de CPV, et côté que du CPJ et tout est pour la vidéo recherche, côté que il a recherché initiativement et il m'a demandé et à tout le monde qui a aidé, que ce soit mon niveau population, même au niveau policier autour, et ils ont une somme de 10 millions de gouttes, et ils ont un numéro de téléphone qui est là, et qui vont soutenir un titre justement qui a géré 4 ans d'appel, et pour que capable d'abord tenter, ça nous dit l'entour, à l'appel, et puis tout pour capable tout, et avancer avec. C'est 29 48 14 14, 29 95 14 14, 29 98 14 14, et 29 99 14 14, permettez-nous d'être un numéro sérieux, c'est 4 numéros lieux, 29 48 14 14, 29 95 14 14, 29 98 14 14 et 29 99 14 14. C'est 4 numéros sérieux et qui est pratiquement ménagé pour que nous capables d'établir contact avec le monde justement qui a aidé nous et même des policiers tout arriver et maintenant et dans collecte et vite l'homme innocent et conduire dans la justice. Je vais donner plus de détails sur l'opération, mais concernant la vie de recherche, il y a des gens qui peuvent bailler la police information parce que yo dit le yo bail information bandits et connaît ça, yo dit la police. Ou au courant de ça? On connaît que les situations, pas peur que nous sommes capables de dire la vérité. Et nous avons dit ça effectivement par voie de presse, et nous avons parlé de ça, et nous avons dit comme ça que faut être confiant dans l'institution. Hein. Et nous croyons que nous déboussons, nous travaillons en pile pour que nous sommes capables de permettre de créer confiance à la police et population. Et tout on manque de confiance en population de police, mais nous sommes capables de créer des problèmes, et nous qui va profiter de ça, c'est des bandits. Et bon côté par nous, toujours la paix travail de manière pour que nous sommes capables de mettre une confiance à elle. Et si tout à fait pas des écarts au niveau de la police, notamment au niveau de la station générale, il y a tenu compte de ça pour que nous ayons une correction. Mais ensemble des numéros ça, que nous avons 4 numéros ça, que nous avons là, c'est des numéros qui permettent que la population touche nous, et l'autre, que la population qui est de police tout touche nous, et pour que nous sommes capables d'arriver ensemble, pour que nous arrivions à mettre main, et nous collectons, et vite l'homme, qui lui-même est impliqué dans plusieurs actes, et déjà, et notamment, et tenir ça comme ce truc-là au niveau du unité, plusieurs blindés déployés pour nous et aller dans la base Vite l'homme, opération finie très tard hier soir. Pour qui bilan? Alors, on connaît pas pour le moment avec son bilan exactement de samedi, mais ce qui est important, c'est d'abord et arriver dans la base, et arriver de côté. Et si ça dépend du temps pour nous, par exemple, nous prenons une base Estrella, écoutez que nous joignons des plusieurs marques. C'est une camion, tout ça, qui entreposait dans le Gandao, d'arriver. Et les policiers étaient très motivés et nous profitaient justement en peine et la Dugaï pour que nous présenter et compliment nous, félicitations au commandement, et notamment du commandant-chef de la police nationale de la France, à les policiers Sahelot qui pratiquement qui fait
qui n'a pas qui n'a toute unité spécialisée qui pratiquement mettait l'eau en quatre et convergent tout et font l'eau et détermination pour que le capable de traverser ça pour nous permettre justement population là nous souffre parce que depuis longtemps et population a souffert de l'ensemble de bandits et nous avons décrit population l'eau et on connaît que au niveau de la police nationale et malgré tout effort que nous faisons ensemble les mains où on est plus et vitale les situations on voit des gangs un peu partout et j'en ai dit tout à l'heure la sollicitation de la police un peu partout là il y a un SOS là il y a un SOS ça m'a dit vraiment une mobilisation tout ton matériel tout équipement également tout le personnel et pour capable faire ça c'est vrai que au niveau zone ça nous avons pratiquement optimisé et tout et équipement nous matériel nous et cap nous vers zone ça pour que nous capables et permettre nous capables d'arriver et éclater tu vois même éradiquer et c'est de gangs à réseau de gangs à eau et régler nous à eau et continuer devant la justice. Commissaire Desrosiers, généralement vous reprochez la police de Sambral Joulala dans le cadre d'opération ça yo la police qu'on arrivé dans espace côté gang yo yeah, la police Gouma gang yo mais après ça la police fait back et gang yo même yo fait représailles et ces populations civiles dans zone là qui paye ça jodi à la on a parlé là le matin lundi 6 février 6h39 est-ce que la police toujours dans zone côté vide l'homme ak monsieur yo cantonea ou bien la police de yo men li encerclé dis nous qui sa situation yé ou bien la police juste rentré au bercail et moi apprécie qualité question là je comprends que il a fait stratégie là il a fait difficile publiquement pour que me donne exactement et qui côté des forces de police et que ce soit une présence de policière en uniforme que ce soit une présence qui sont en uniforme elle est vraiment difficile et sinon et c'est tout dit et alors nous disons ouvert attention et mais pour stagiaire donc à dire publiquement mais nous tenons compte de et en somme considération que la population et par voie de presse que vous dites et que la police se soutient dans une zone non tout de faire des ailes mais ça c'est tout à l'heure fait du nom t'as dit que c'est une question qui c'est tout un système et il faut tout plus éléments et m'accorder avec nous pour que nous capables d'arriver maintenir parce que l'autre des zones géographiquement en train de côté c'est en dans les réserves de côté qui abandonné et pas de courant pas de route avec du coup pas qu'à nous plutôt pour exposer des vies de policiers là-dedans mais nous tenons compte de pardon de notre action et de côté et justement que patrouille de côté du monde après où il de manière pour que nous capables d'aller mais on connaît que les gens de là et ça que nous toujours donner et pas que nous appelons et nous chercher une façon pour que nous déresponsabilisions nous à savoir de matériel parce que c'est du matériel que nous avons là ça a eu justement que l'a fonctionné et ça fait une partie de l'optimisation d'achat à nous obliger et qui nous produit ça nous gagner et puis pour nous concentrer au bon matériel équipement pour que nous avons un travail d'indépendance. Dans l'opération, tu as gagné un voice qui t'a circulé DG, CNEA qui était en détresse, qui t'a demandé pour la police camper sur l'opération. Et appel ça pas affecté l'opération, effectivement. Nous, c'est une équipe justement qui l'a et qui a tendu toute sa capacité sur les autres, parce qu'en même temps, on nous aussi toute une mobilisation. Et chaque nous gagne des responsabilités, chaque nous tâche, et notre travail, et l'opération qui a fait nous maintenir au niveau des jeunes ZAA, et oui, et on s'en voit ici, et on tendait, et même tout au niveau de l'édition générale, et tendait pour Voicelan, mais tout hier, il faut que nous d'abord vérifions l'authentification, et Voicelan d'abord, et pour nous prendre des mesures appropriées. Un avion de force armée canadienne qui était survolé et ciel pays d'Haïti et information était fait quoi que avion ça était venu en soutien à la police nationale d'Haïti et si c'est possible à dire nous dans quel niveau hein, collaboration hein, et les mêmes idées entre force ça à travers avion ça et la PNH pour opération SILA de manière spécifique. Ferdinand, on a une question, vraiment des questions qui ont peu d'importance, mais encore une fois, et à nous mettre au niveau stratégique de préférence pour que nous participions, mais on a dit que nous avons des collaborations avec nos partenaires internationaux. Est-ce que l'opération a fini? L'opération est finie. Oui, mais. Oui. Non, mais est-ce que l'opération a fini?
opération maintenue, tapons vers Zonda. Tapons vers Zonda, nous étendons nos Zonda. Alors, marquez au printemps, vous avez la parole. Vous avez une réponse à vous, mais demandez est-ce que l'opération, ça a fini? Et les hommes de douleur sont opérations qui maintenues, ils sont une opération qui va depuis pratiquement aucun an. Et c'est des chefs de combat. Et nous, abrités pour que nous capables d'habiter, pour nous capables de continuer le combat. Qui maintenues, c'est-à-dire que son opération cap est continuée, mais nous apprenons, et dans le lieu côté nous arrivé hier, mieux nous fait bac. Et il y a un témoignage qui dit que bandits ont refouillé tout yo encore côté la police était bouchée pour être rentré. Nous nous recouvrons de ça. Éviter l'homme bloqué pernier depuis la 17 là, la boule de caoutchouc et puis mettez gros camion dans route là. Et vous connaissez nos cadres d'opération et gagner plus d'analyses qu'on fait et gagner tout. Mouvement d'opération, hein, et parce que attention, on a beaucoup avec des gens qui sont armés, des gens qui sont lourds, des gens armés, et il faut que nous tenions compte de ça au gain comme matériel. Et tout, nous-mêmes, tout, et même gens tout que nous-mêmes avons analysé, même les gens qui ont déployé, c'est-à-dire nous-mêmes, de beaucoup de par autour. Donc, on y a là, c'est nous-mêmes, justement, au niveau de la police, force de l'ordre, que la population fait confiance, les populations payent nous, justement, et pour nous avancer, pour nous maintenir l'opération, et d'aller extrêmement important pour que nous demandions population, comme toujours, et encore une fois la solliciter, et la toujours solliciter tout le temps, et collaboration dans le type de travail que la police a fait. Parce que le travail que la police a fait, c'est pour permettre que, ou même qu'à côté de la radio Caraïbes là, ou même qu'à côté de l'autre radio, ou même qui est dans la population, qui est victime de Mounsaïo, petite ou victime, jeunesse à victime, famille victime, l'est du temps pour que nous. Côté collaboration entre l'habitude de faire et nous demander plus encore de manière ensemble pour que nous soyons capables d'arriver à faire travailler ça et permettre au fur et à mesure pour capable de vaquer le mouvement d'activité. Commissaire Gary Desrosiers n'a pas appelé aussi pour parole pour l'Institut national d'Haïti a confirmé ou bien infirmé ça pour moi. Moi, apprendre qu'effectivement, force Claudio est dans base vite l'homme dans le niveau Pernier à Torcel. Mais à un certain moment, il est obligé de faire back parce que nous voulons blackout, pas de bien courant. Et dans la zone, ça qui devient mettre en difficulté pour les consignes d'opération. Vous êtes capable de confirmer ou bien confirmer ça pour nous, s'il vous plaît? Et on a des détails au niveau d'opération qui sont très sensibles. Il est très difficile pour que nous soyons capables de venir au public. Mais encore, on a préféré nous à la question de sécurité qui passe simplement la police comme acteur. La police, effectivement, c'est un acteur clé, mais pas simplement lui-même. Et parce que bien d'autres pays, soit permettre que moi, capable de faire un petit écart. Et c'est parce que bon sens du bagage qui vient déjà. Et j'ai entendu, il y a des routes, des courants, et tout l'autre secteur qui lance, qui fait travail par eux. Et puis, il y a qui permet que la police est même capable plus facile de mettre le travail par eux. Mais j'en doute aussi, il y a des blackouts, il y a côté, c'est pratiquement des déserts liés. Et là, on comprend que faut police d'abord protéger tête d'eau. Et protéger tout matériel qui a pu utiliser hein, de manière que nous-mêmes nous capables de travailler. Et ça fait encore une fois, et nous disons nous que toujours de la population, lui-même, toute population, soit il manque de la sécurité, ça peut faire appel avec lui, et appel tout à tout secteur qui enchaîne la sécurité. En gros, opération Sayo nous aider de l'armée, surtout le NAP intervenu pour nous craser de murs. Et dernière opération, ça nous fait là dans Pernier, qui supporte une dégaine de l'armée. Et tout ça qui gagne en termes de aide, en termes de support à PNH, ça pour permettre que à tel objectif, et probablement qu'il fixe Sayo, et suivant l'élaboration de l'opération qu'il gagne. Et pour l'opération, tout entité d'État est bienvenue et nous devons faire avec. L'opération, il y a ce qu'il a fait avec l'armée, c'est ça, Mando. Et si vous n'avez pas de tout détail, parce que vous connaissez nous-mêmes, nous devons tout travailler comme d'habitude, mais probablement, comme d'habitude, nous connaissons justement des appuis au niveau d'Angèle Ounio, au niveau de vos matériaux, et nous connaissons le financement support. Pas parole, et bon partage à vous quelques préoccupations des citoyens qui dit que la police a fait opération, il faut que boucler torselle, il faut que un char ou un backup d'académie. D'ailleurs,
citoyen dit hier, la police a traqué bandi yo, yo passé derrière académie pour aller tomber pernier. Gagné yon quinzaine jeune garçon avec sapate nan pied, valise nan dos, gros manche long nan mayo qui passé hier des académie pour aller pernier, torsel ou bien petit troupeau. Donc est-ce que la police tenu compte de situation ça yo, de zone ça yo, zone stratégique yo, pour que yo empêcher monsieur yo sauver qui était espace côté OTI. Et mon ami guerrier du seul, à chaque opération depuis et opération lui-même est capable de faire un petit campement momentanément et nous toujours faire une film pour que nous tenions compte de considérations et si nous avons des failles d'écouter pour que nous sommes capables d'aménager dans ce sens-là. Et disons, travail de ce côté-là. Et nous avons des voix et nous qui disent ça et c'est certain que l'autorité doit l'écouter pour que nous sommes capables de tenir compte de ça. Et Jean-Doulin, on ne va pas encore répéter. C'est ensemble de matière qui nous guère pour nous optimiser pour que nous puissions arriver et faire opération ça. On l'autre message encore qui peut-être qu'a aidé la police. Les amis, ça dit pour qui ça la police a fait opération peignée ou pas à cerner les gros gens, métivier, doko pour empêcher ou sauver. Votre gros gens, c'est exit negio pour évacuer les opérations peignées. Le jour samedi, au Prokenton dans la Kaeli, negio était occupé zone depuis 5h et 3h. Na matin. Et il dit tout que c'est pas opération ça qui a bail résultat, il pas attaqué Negros Pernier, il monté gros Jean Métivier. Donc tout temps par une synergie qui déployé dans espace géographique monsieur yo, il a pas attaqué Neg Pernier et il pas quadrillé gros Jean Métivier. Donc Negio a toujours en force. Donc son message aux auditeurs qui peut être capable aider la police nationale d'Haïti. Pour parole, c'est pas ton question. Mais vraiment donc en précision non avis non l'argent que nous offrit sous tête vété l'homme qui c'est 10 millions gourdes avec des numéros contact que nous bail moi nous dit monde qui a information à policier est-ce que ça veut dire que policiers concernés par moyen ça qui ont été disponible donc c'est un policier lui-même les bail information bien lui permettre que arriver sous vété l'homme l'a gagné récompense ça. Justement, notre plan très clair et j'en ai plus là, c'est exactement pour ça. Prénom, numéro et porte-parole. 29-48-14-14, 29-95-14-14, 29-98-14-14, 29-99-14-14. Les porte-parole et tornade 1, hein, jusqu'à présent, toute opération qui fait la dernière, faite en direction Vité. Alors, est-ce que opération ça, les viser, craser seulement, gaz, base craser, craser l'enfer et vite l'homme à diriger. Justement, ils visent toutefois et les et tout côté et généralement tout d'abord. Et tout ça, la police vient pour faire en termes d'opération et ils ont tout entré dans le cadre et mobilisation bien pour les tornades. Et opération a fait là sous vite l'homme a continué, mais et ben nous on premier bilan de tornade là. Alors vous croyez que bilan ça et si pas trompé parce que nous était juste en train de nous parler de update là et mais et sous site coordination allô la police le président est disponible m'a invité justement pour garder lui et pour partager lui avec auditeurs d'Itricio. Mais normalement, c'est notre nouvelle, mais comme nous battons dans nos actes, et ça va être un petit temps pour que nous n'avons pas retourné encore sur le César. Merci un peu, votre parole. Ok, d'accord. Alors justement, guerrier, moi, je plais tout et féliciter tout et citoyen ça qui fait considération cartographique et concernant les zones qui parlent au niveau et zones dans celle-là. Et ça montre justement un souci, justement, de collaboration et citoyen ça et tout citoyen. Et qui t'a en pile d'informations, ou bien en pile et conseils, justement, que t'as aimé, et bail à la police nationale, et nous très ouverts à conseiller, toujours, et vous voyez, ou bien partager des considérations avec les journaux-là, de manière pour que nous capables d'entendre eux, et pour nous capables de tenir compte de eux, et pour que nous sommes capables de et travailler normalement, et sans problème. D'accord. Merci à Pile, votre parole. Je dis à Alexandre Pierre-Modèle-Wenny, moi-même personnellement,
Pour l'instant, je garde de tout commentaire sur l'opération. Ça m'a suivi toujours. Pas de résultat. Parce que ça, pas de parole à dire. Donc, l'opération est maintenue. Moi-même, m'a recueilli des informations. Bon, côté, moi, ça m'a le monde qui est impliqué de près ou de loin dans sa capacité à là. Moi-même, moi, gagné et look moi, là même, m'a regardé comment l'opération ça a déroulé. Et même pas pour le coup, il dit même, je ne pas qu'être nous que moi filme ça déjà, parce que moi-même, je suis venu là comme journaliste qui gagne une certaine responsabilité pour m'a pas craché sur l'effort institution police l'a fait, alors que c'est moi-même, ensemble avec de l'autre monde qui toujours appelé derrière pour dire, il faut que vous ayez des signaux, il faut que vous preniez responsabilité.